Je m'appelle Mademoiselle Lydie. Je suis née le 13 avril 71, donc j'ai 48 ans. Je fais 1m72. J'ai été opérée le 6 novembre 2016. Avant l'opération, j'avais 124 kilos. Et après l'opération, donc là où je vous parle, j'ai 80 kilos. L'entourage, surtout l'entourage, la façon dont les gens vous regardent, la façon dont les gens vous parlent, vous êtes grosse, c'est-à-dire ils ne savent même pas comment vous le dire, hein. Ils ne pèsent même pas les mots que est-ce que si je lui balance quelque chose comme ça, elle sera peut-être déçue, elle sera frustrée et tout, mais quelqu'un vous dit carrément, vous êtes trop grosse, hein, il faut maigrir là, vous avez trop grossi, vous êtes plus belle. Donc du coup, moi, je me suis braquée, j'avais honte de sortir du milieu là où il y avait des gens, les fêtes, je ne partais plus. Les manifestations quelconques, je n'allais pas, hein, je n'allais pas parce que j'avais honte de moi, que j'arrive quelque part, les gens parlent, surtout nous sommes des Africains, ça carrément s'appelle le pays, ça parle, nous on a vu, elle a grossi, elle est devenue moche, donc du coup moi au niveau social aussi, ça m'a vraiment rendu malade, mal à l'aise, mal dans ma peau, pas bien du tout, du tout. Quand je sors, je vais dans les milieux là, maintenant je vais dans les fêtes, hein. Après l'opération, quand on m'invite, c'est même moi la première à venir pour qu'ils me voient comment je me suis habillée, comment je me suis maquillée. Donc dans les milieux sociaux, je ne partais pas, mais là maintenant je pars, je fréquente les gens, j'ai des associations, je pars et tout. Donc du coup, tout le monde est content, tout le monde, quand ils me voient, mais ça c'est toi, mais comment tu as fait, tu es belle, comment tu t'embellis, tu t'es rajeunie, on ne te donne même pas ton âge. Donc tout le monde est tellement content de moi, si bien que je suis très en forme, très bien dans ma peau.